Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speed coloring sur le thème de La Belle et la Bête, toujours en collaboration avec Laura de la chaîne Books and Fireplace. Donc si vous voulez voir son coloriage, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description sous cette vidéo. Alors c'est vrai qu'au départ on était parti sur faire un coloriage chacune de notre côté, mais on avait beaucoup de mal au début à trouver un coloriage qui ne soit pas enfantin, et Laura n'était pas fan, donc elle a fini par tomber sur un site qui proposait ce type de coloriage. Donc je trouve que ça fait davantage coloriage pour adultes parce que c'est vraiment détaillé. Et puis ce qui est sympa, c'est que ça rappelle à la fois le dessin animé, mais pas complètement, donc c'est assez original. Alors Laura a choisi de faire Big Ben et moi Lumière, mais sachez qu'il y a d'autres personnages sur le site, donc si vous êtes intéressé pour imprimer un de ces coloriages, je vous mets également le lien du site dans la description, toujours sous cette vidéo. Alors au niveau du matériel, moi j'ai choisi d'utiliser des crayons de la marque Carrefour et des stylos à pointe fine de la marque Stabilo. Et au niveau du papier, j'ai choisi d'imprimer mon coloriage sur un papier assez épais de 180 grammes. Je trouvais que c'était beaucoup mieux pour le rendu. Donc c'est du papier que vous pouvez retrouver à Carrefour, ça coûte pas forcément très cher. Donc c'est du papier à grains et ça ressort beaucoup mieux pour tout ce qui est crayon. Voilà, c'est tout pour le matériel. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon visionnage.
Et voilà, ce coloriage pour adultes sur le thème de la Belle et la Bête est maintenant terminé. Alors petite étape que je vous ai passée à la fin, j'ai pris un mouchoir pour venir estomper les traits de crayon parce que je trouvais qu'on voyait trop ressortir le grain du papier, c'était pas joli au niveau du rendu. Donc petite astuce si vous ne la connaissez pas déjà, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur ce coloriage et à mettre un j'aime si vous trouvez qu'il est plutôt réussi. Et n'oubliez pas bien sûr d'aller voir la vidéo de Laura sur sa chaîne Books and Fireplace. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!